mardi 30 juillet, vous avez dû voir peut-être déjà des images, on a visité le saut du Doubs ce matin, c'était cool, on a pris le bateau, voilà. Et ben là maintenant on a passé la frontière et on est en Suisse, donc on est content. Et puis à peine arrivé en Suisse il y avait des lamas, alors Jeanne elle est super contente parce que bah, pour elle du coup en Suisse il y a plein de lamas. Voilà. Donc on devrait aller sur le lac de Neuchâtel. Et l'objectif ce serait de pouvoir se baigner. Donc on va voir si on y arrive. Allez, ciao. Spoté ici, on est sur la commune de Saint-Blaise. Saint-Blaise, c'est à côté de Neuchâtel. Ah. Quelle idée quoi, de faire un radeau pour... Hein? Oh, chat! Ouais, j'ai vu Steven. Attends, viens, sors, garçon. Je vais pas leur faire. Alors, pourquoi vous avez construit ça, les gars? Pour rire. Pour rire? En fait, en face, là où on livre le menhir, c'est un parc d'animation néolithique. Ils ont ouvert ça il y a 20 ans. D'accord. Chaque année, ils font un rassemblement préhistorique où il y a plein de gens un peu partout, de France, d'Allemagne, d'Italie, de Suisse qui viennent faire un peu un week-end néolithique comme ça. Là, c'est des 20 ans, donc ils font la semaine complète avec les deux week-ends. Ah oui, ok, donc vous arrivez en plein. Voilà, et puis Yann, le pote avec la chemise jaune, il a fait pluie, il a bossé au parc de Métrance comme animateur pendant 2-3 ans. D'accord. Et cette année, lui, on a vu que c'était l'anniversaire exceptionnel plus long, que notre assos vienne faire quelque chose. Quoi. Puis bon, on fait à peu près les mêmes choses qu'il propose déjà, tu vois, allumer du feu, faire des couteaux, aussi des choses. C'est spectaculaire. Alors, au fait, on était aussi chez moi, tu sais, petite bouffe de la semaine tranquille, et puis blablabla, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis moi, comme un grand con, j'ai dit, ah bon, on a qu'à le ramener à Mémy. Excellent. Ouais, okay. Et voilà, après, c'est parti comme ça, on était là par terre, sur des rouleaux, combien de kills, tout ça. Moi, je suis parti au voyage cet hiver, 2 mois, donc je pars, machin, puis au rentrant, bah, Yad avait discuté avec le Latinium, l'ancien archéologue cotonal, par terre, c'était un peu trop le bordel, donc l'idée, c'était de faire ça par voie de lac, par l'eau. Ouais. Et puis je suis arrivé, en gros, il y a déjà un article dans le journal. Ah ouais. Enfin, maintenant, faut le faire. Voilà, moi, ma grande gueule, maintenant, faut assumer. Il faut construire le radeau et transporter le menhir à la tête. De l'autre côté du lac. Donc 4 jours de traversée, c'est ça? Non, 3 jours. 3 jours de navigation, et puis après, on verra un peu comment ça se passe. Quoi. Ouais. On va aller voir le chantier, tu l'as déjà filmé? Ouais, j'ai filmé un petit peu hier quand je suis arrivé. Un petit coup de rêve. Mais on va aller filmer. D'habitude, tu travailles pour le Latinium? Non, non, du tout. Moi, je suis à mon compte, sculpteur sur pierre, tailleur de pierre. Oui, donc là, ils t'ont mis un espace à... Non, alors c'est pas à moi, même c'est selon Yad qui a organisé, il est venu voir le Latinium. Ah oui, c'est Yad qui a tout organisé, d'accord. Oui, d'accord. Parce qu'il connaît. C'est connaît ton bien, idée, quoi. Que... Alors, c'est moi qui a lancé le truc, et puis après, c'est un peu l'idée de tout le monde, tu vois. Ouais. C'est parti. Finalement, il a réussi à trouver des sponsors, il a fait du moyen. Excellent. Ah ouais, vous avez trouvé des sponsors et tout, vous avez des subs. Ah, ah super. Il y a déjà, je crois, pas ces 2000 balles de bois. Quoi, juste ah bah ouais, mais tu m'étonnes. Bah, on va aller filmer ça tout de suite après. Et comment vous êtes connus tous les deux en fait? Ah bah, c'était... Steve. Ouais, bah vas-y, raconte ça. J'étais en colocation avec petit Steph. Avec Steph Lagrat. Au club de Nantes. Voilà. C'était ton coloc. À Chézard. Ah, ok. Chézard Saint-Martin, dans le Val de Rue. Charles m'est venu vous voir. Ouais, puis bah, je suis venu souvent, même j'étais venu jouer à la Bonneville. Oui. Mais il y a 15 ans, quoi. Ah, 20 ans. Il y a 20 ans, Bonneville.
2018, c'était au 2001. Oh là. C'était au 2001, la bonne ville. En 2001, la bonne ville. Oh. Donc bah, j'étais venu jouer avec, avec Mr. Midnight, mon ancien groupe de musique irlandaise. Et après, j'étais revenu passer 15 jours de vacances. Et puis on avait joué avec, avec Steph et puis Jérôme. Ouais, ouais, ouais. Puis on faisait un peu la manche là-bas, quoi. Voilà. Ah ouais, ouais, ça fait 18 ans, bah d'accord. Bon, allez, je vais filmer un peu de l'Athénium, puis comme ça je mettrai en incruste. Et après, on va aller au jeu. Pendant ton discours. Puis bon, il faut le bateau suiveur et tout ça, donc. Ils s'en foutent, quoi. Ils s'en foutent, c'est Suisse. Non, c'est rigolo. Ouais, voilà, on a vidé les cuves. On est jour 2. À Neuchâtel et on s'en va visiter Neuchâtel. Là on est sur une place. Regarde la maison comme elle est belle là. Et là il y a des petits bistrots sympas, le sud. Ça c'est un hôtel. L'hôtel du marché, ah oui c'est là-bas. Et là ça me fait penser à la Rathaus de Michel Stadt un peu. C'est sympa. Voilà. Allez, on va aller par là-bas tout droit. Putain, c'est rigolo pas, c'est tu tires ou tu pointes. Hein. C'est Marseille à Neuchâtel. Hein. Sympa, hein, ces petits trucs. Hein. À côté. Vraiment chouette cette ville, c'est rempli de fontaines. Sympa comme tout. C'est vraiment des beaux bâtiments, des beaux immeubles. Chouette comme tout. Chose bizarre là-haut. Ouais, j'adore, c'est bon ça. Des belles bâtisses. Super, c'est vraiment typique. Alors, du coup, il y a une expo d'art dans la ville de Neuchâtel. Donc c'est pour ça, là, tout à l'heure, j'ai filmé l'œuf en haut de la tour. Et puis il y a plein de choses comme ça dans la ville. Voilà. Quoi. C'est vraiment chouette, hein, cette ville. Regarde, il y a plein de bâtiments, tu sais. Ah oui, c'est de l'art. C'est rigolo. C'est marrant, ces œuvres d'art, un peu, au milieu de la ville. En fait, ils ont décoré une fontaine. Ouais, il y a vraiment beaucoup de fontaines ici. Voilà, le lac de Neuchâtel, vue de Neuchâtel. On voit bien les montagnes au fond, là-bas. Non, il n'y a pas de jeu, là. C'est quand même super sympa. Et voilà, fini Neuchâtel. Je voulais vous faire un petit bilan. Là, il y a les filles qui viennent de rentrer des jeux. Alors, le petit bilan, cette aire de Saint-Blaise. Bon, alors, les points négatifs, il y a l'autoroute qui est juste derrière, ici. Et la ligne de train qui est là, donc bon, il y a un peu de bruit. Après, moi, la nuit, ça m'a bercé, vous aussi, je pense, hein, les filles, oui. Ouais. Et par contre, le point positif, la plage, elle est vraiment... la plage, elle est à 50 mètres, quoi. 50 mètres juste derrière, l'eau, 25 degrés, enfin bon, c'est vraiment super. Voilà, allez, je vous laisse sur cette vidéo avec des images vues d'en haut
du fameux radeau des copains. Ça y est, ils sont partis. Ils sont partis. Voilà, donc j'ai fait des petites images de drones qui, je pense, sont pas mal sympathiques. Donc, comme d'habitude, hein, comme ça, n'oubliez pas de vous abonner. Là, on va arriver à 600 abonnés. C'est pas mal. On se retrouve dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça sera dans un autre lac. Je pense qu'on va aller au lac de... Comment il s'appelle ? Moura. C'est un lac qui est pas très loin. C'est à 20-30 km, je pense. Voilà. Allez, ciao !